Togo est fou. Le Togo à votre portée. Ce que tu dis que tout le peuple togolais n'a qu'à oublier les élections, c'est une faute grave. C'est une faute très grave, énorme. Depuis 90, toutes les élections qu'on a boycottées nous a coûté cher. Toutes les élections, allez demander. C'est pourquoi je vous dis que allez demander les renseignements. Toutes les élections qu'on a boycottées depuis 90 jusqu'à présent, ça nous a coûté très cher. La dernière élection qu'on a boycottée, c'est en 2018 pour l'Assemblée législative là. Tu as vu comment rien que le RPT Unir, ses opposants béquilles qui sont dans l'Assemblée là-bas, et ils ont voté la loi pour que force présente à l'Assemblée encore. Ils font le contrat au dos du peuple. Et ils ont voté des lois pour payer les taxes de la maison, pour quoi, pour ceci, pour cela. Mais si on a été à ces élections, si on a été, c'est pourquoi je dis que Tipi a fait le jeu de l'ennemi. Tipi, il a fait le jeu de l'ennemi. Il a dit que, bon, sans élections, on ne peut pas aller aux élections. Le peuple était d'accord, tout le monde était d'accord. Voilà le résultat. Il faut être réaliste. Voilà le résultat. Maintenant, on n'a pas été aux élections, croyant qu'on serait ensemble pour faire la pression à ce régime sanguinaire de quitter le pouvoir. Maintenant, Tipi est parti, il ne veut pas se collaborer avec ces gens. Et Tipi dit que, bon, on ne peut pas aller aux élections. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose quoi? Est-ce que même dans son parti, même il a ces éléments en main maintenant? Non! Non! Bon, maintenant, ils ont voté les lois partout. Pour cette fois-ci, on va aller aux élections. On va aller aux élections, corriger les lois à l'avantage du peuple. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas allé à ces élections, il faut lui poser la question. Bon, je suis d'accord, on ne veut pas aller aux élections. Qu'est-ce que tu proposes? On refuse ou pas? Ils vont aller parce qu'ils ont fabriqué les opposants qui sont à leur portée. Migbo, Milon, et peut-être une là élection. Parce que Ntonyabe est fabriqué opposant, d'où Dade, Oton Gombe, Oni opposant. Djeri Tamare opposant, ya. Abbas Kabouare opposant, Benya. Mais ils sont pleins. Agbome, il n'est pas opposant. Mais tant que un opposant a été aux élections avec force, cette élection-là sera validée mondialement. C'est ça. Aller aux élections ne nous empêche pas de faire la révolution. Aller aux élections ne nous empêche de rien, de prendre les armes, de faire la résistance ou bien de faire n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit que de ne pas aller aux élections, il ment. Il vous ment. Je vous le dis chaque fois. Merci.